Alter Radio, l'IFE, 11 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde, tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes, Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade bel ide, de fwa fè de bagay. Yon proje. Lwa yon yon di ke, si moun nan meyè kote pou li viv, se nan famil. Yon aktivite. Ou ale ver l'inklusyon sosyal, se pose kèsyon par rapport ou barrièr. Paske, tout inisiativ sosyal fè eko sou Alter Radio. Bienveni sou Alter Radio 106.1 FM, www.alterradio.org. ak divers lot platform internet. Se magazin ekosocial ka prendre la kayou pou ofri ou yon lot nimero emisyon sa. Emisyon ekosocial la se yon espas ka fe eko, kap gaye divers kalite informasyon, ka prendre kont sou tout proje, tout aktivite sosyal, ekonomik ak kiltirel e latriye. 21 fevriye se jounen internasyonal lang maman yo. Sete nan l'anè 1999, Organizasyon Nasyon Zini pou l'Edikasyon, la Siyans ak la Kiliti, yo plis konen sou nan UNESCO, te chkwazi dat 21 fevriye pou bay lang maman yo vale chak l'anè. Edikasyon nan plizye lang, se pou to mitan apratisay jenerasyon yo, yon apre lot. Se tem UNESCO te chkwazi pou Jounen Internasyonal Lang Maman yo, 21 fevriye 2024 la. Lang maman, se premye lang yon timoun pale. Nan peyi d'Haïti, lang maman se kreol haïsyen an. Ki sa ki yon lang maman? Eleman repons nan ekosocial jodi a avek espesyalist nan lang, lingis Ben Siloui. Lang maternel la li men, li se premye lang yon ti moun pale. Ano, pou nda pou fè ti presisyon sa, menm se nou maternel ki gen rapor avek maman e, nan konteks kouran, men sou plan lingwistik le ou pale de lang maternel, e, li pa vreman gen rapor direk avek maman. Ano, kon gen moun ki gen ki kon gen konfizyon sa, paske yo pale de lang maternel, otomatikman yo kon kouri fè referans avèk maman. E sa ka arrive vreman lang maternel yon timoun fè maman. Kon sa tou, lang maternel timoun nan gen dwa pa lang maman timoun nan pale. An da pon ekzamp, nan ka kote nou gen pil haïsyen kap deplase ki te peya denye tan sa yo, ou ka jen yon timoun te fèk fèt an Haïti, li pot ko vreman pale kreyol epi maman deplase ansan mavel, swa la le nan ou peyi francophone ou bien ou peyi anglophone ou bien ou peyi hispanophone epi ou ati moun nan premye lang ti moun nan pale se pre lang peyi kote l'immigre paske ti moun nan li pi fasil kapte lang milye kote lang a pale li pi fasil mouti pou l'kapte lang sa ke tout lot lang sa ka fe ti moun nan ven gen lang maternel ki pa men lang maternel avek maman. Ok, dok ki vin fe lang maternel la li menm se premier lang ti moun nan li pale. Maintenant ki diferans en terme de frontière, on moun ta vraiment intéressé konnen ant lang maternel et lang maman. Et lang maternel et lang maman, voilà, lang maman ti moun nan se lang maman pale, mais lang maternel la se premier lang ti moun nan pale. Donc c'est ça pour nous expliquer sur lui, se premier lang ti moun nan pale. OK. Men, generalman, yo kon eseye konfonye, se se par rapport au fèt ke tou li rar e, pou nou jwen e ti moun nan li men, li pa avèk maman li.
Oui, l'IRA, mais les vignotiges courants pour haïtiens de niveau Mansaro. Nous connaissons un pile haïtien qui parle. Bon, normalement, on a haïtien qui fait en Haïti, qui est en Haïti, il y a un pile chance pour l'augmenter. C'est créole. Mais on connaît jouer même maman Sara, il fait un petit monde à l'étranger. L'augmenter, maman, c'est créole, mais tout le monde a le fait qu'il fait dans l'autre pays. Langue maternelle, c'est automatiquement langue pays que tout le monde a fait là, ou bien langue que tu as grandi. Parce que tout le monde a fait en Haïti, s'il part il y a un an, deux ans, même s'il a commencé par le créole là, mais il a automatiquement arrivé dans le pays, il a réussi carrément, et pour la langue maternelle, il a pas gagné, c'est pas langue pays que tu as vécu là. Même si la maman était en autre langue. Tout service l'État yo ta dwe bay nan lang kriyol ayisyen. Se pozisyon fakilite dwa ak siyans ekonomik an dedan Universite l'État d'Haïti ya. Nan okasyon Jounen Internasyonal Lang Maman yo, 21 fevriye, plize institisyon souwete kriyol ayisyen servi tout bon nan sistem la jistis peyi d'Haïti ya. Fakilite dwa ak siyans ekonomik an dedan Universite l'État d'Haïti ya promet li pral met kampe yon espas kriyol ayisyen nan sistem la jistis la. Tradwi lwa ak kod yo ta dwe yon nan premye gwo travay espas kriol ayisyen an dedan fakilte dwa ak siyans ekonomik lan dapre doyen fakilte Universite l'Etat sa met avoka Eugène Pierre-Louis. Nan peyi d'Haïti, toujou gen anpil prejije kont lang kriol ayisyen. Tre souvan, gouvenman ou de refize pale nan lang kriol ayisyen. Anpil moun konsidere, se pou pete populasyon an, otorite ou toujou chwazi pale nan lang franse a. Sa ou di sou sa, Ben Siloui? An Haïti, nou gen doa fè de konsiderasyon sou konsepsyon haïtien nan de lang maternel. E nou ka di, gen yon konsepsyon ki bien wè lang maternel la, gen yon kouran, alor bien ke li minorite, malerizman, gen yon group moun ki komanse gradyalman pou yo kompran, lang maternel li jwè yon gro tonton wòl nan yon sosyete, et particulièrement en Haïti, gen moun ki wè lang maternel nou comme yon lang ki soude nou entre nou, comme yon lang ki fè yon marke identité. Mais malheureusement, gen yon gros lot nan société a et ki majorité ki toujou pote de discrimination kont kreyòl ki se lang maternel nou. Et ou kontande de diskou, alors nan linguistik ki vle sa de diskou epilinguistik ki se yon diskou moun nan gen sou yon lang sans pas vraiment conscient de sa labdia, sans pas maîtriser sa labdia, par exemple, au cadre de, on me dit créole par langue. Créole, c'est un dialecte, ou bien créole, et par une belle langue. Ou bien, au cadre de dire français, c'est belle langue, et espagnol, c'est belle langue. Alors, ce qui n'est pas une langue qui est plus belle que l'autre, parce que tout ça utilisé avec créole là pour faire, ou qu'a utilisé pour faire avec anglais, tout ça utilisé avec, ou utilisé anglais pour faire, ou qu'a fait là avec créole. Tout ça utilisé avec français, tout ça utilisé français pour faire, ou qu'a utilisé créole pour faire même bagaille là tout. Et parfois, ça nous parle, nous compte un pile monde qui connaît pas ce créole là par une langue, même j'avais toute langue, mais ils ont même, en même temps, ils connaissent dans des moments, ils valorisent le créole là sans rendre compte. Par exemple, et les gens pourraient plaisir de regarder un film, je sais pas, par exemple, qui fait rire. Wapten de yon bel mizik yon artiste haïtien produit en créole ki rive sou ou senti ki vraiment fait effet sou ou, c'est pas notre langue l'utiliser. Et gen yon façon cerveau moun marié avec langue maternelle li nan production et nan art li vraiment difficile pour moun nan faire même travail production sa ou nan yon langue étrangère ou bien nan yon langue seconde. Et c'est malheureux gagner un peu le monde qui toujours quoi jusqu'à présent créole parlons la même avec toute langue, mais ça capable lié avec un réflexe colonial tout. Et le fait qu'on connaît nous histoire nous lié en grande partie avec une bonne partie avec une histoire de colonisation et un pile tête qui sorti en bas colonisation yo yo kon rive nan des situations côté yo gen du mal pour yo détacher yo de série de réflexes qui nan tête yo qui lié yo avec colon hein, ou bien avec maître là ou bien avec pays métropole là. Et pas oublier nan période coloniale yo
et esclaves qui ces ancêtres nous yo yo pas trouvé yo comme moun yo pas trouvé tête yo comme moun et yo t'ai créé alors lundi yo qui sont bétiques m'a parlé de colons yo et yo t'ai créé des conditions pour yo t'ai fait esclaves yo pas trouvé yo comme moun pour yo t'ai ouais c'est mettre là qui c'est moun c'est les mêmes qui ont valeur sacrée c'est les mêmes qui tout ça qui bon c'est avec mettre l'ensemble depuis notre traitement on était esclaves par rapport avec mettre yo yo t'ai fait esclave la raille tête là. Eh bien, ça vient faire un pile descendant esclave tout. Yo vient gagner un refus pour propre tête yo, non seulement un refus pour propre tête yo, yo vient gagner un refus de tout élément qui caractérise yo, de tout élément qui identifie yo comme yo même, tout ça qui propre avec yo, bon tendance yo veut le jeter. Et langue c'est une identité marquant et pour un peuple, c'est un élément qui caractérise yo comme peu parce que debout du créole et particulièrement créole haïtien ou Haïti. Et Haïti c'est un plus gros pays créolophone dans le monde et automatiquement du créole même lorsqu'on met adjectif qualificatif haïtien et le mot du créole gagne un grand regard qui fixe sur Haïti parce que jusqu'à présent Haïti c'est un plus gros pays et créolophone dans le monde. Alors c'est comme ça m'ka dit en bref, il y a deux conceptions et deux perceptions sur langue maternelle nous. Il y a un courant qui jusqu'à présent minoritaire qui welcome toute langue, qui ouais nous ka fait toute bagaille là-dedans, qui gagne qui welcome une langue qui gagne toute valeur, mais courant ça jusqu'à présent minoritaire et puis n'a profité appeler effort facile de linguistique appliqué qui travaille en pile dans domaine ça pour essayer montrer mon yo qui ça qui une langue. Et pour essayer de faire retirer des préjugés sur la langue maternelle par eux. Et puis, gagner une grande majorité, jusqu'à présent, nous espérer qu'on finisse par prendre conscience de qui ça qui est une langue et qui est une langue, particulièrement la langue maternelle, qui toujours croit. Et on parle de la langue qui fait la science, qui toujours croit créole comme langue qui parle à l'école, qui toujours est créole comme langue qui n'est pas formée, qui n'est pas intellectuelle. Mais c'est peut-être c'est pas fait tout, c'est peut-être yo na antijana yo astroji pour comprendre qui ça qui ont langue nous allons nous inviter yo et nous inviter yo et prendre conscience de qui ça qui ont langue chercher connait qui ça qui ont langue et qui rôle yon langue maternelle jouer dans développement yon monde et même yon société. OK. Maintenant dans décor ou planté là qui gagne avoir avec représentation langue maternelle. Bon, globalement, on est capable de dire pour créole, pour nous-mêmes haïtiens, non, en fait, Jean Ouel dans le pays, mais côté l'État, bah ouais, on fait mention de lui en matière de politique publique et sous question bon. Et langue. Et sous la linguistique, et l'État gagne en politique linguistique sur le plan macro qu'il a dû établir. Et ni ça qui vient pour avec valoriser la langue dans la société, ni ça qui vient pour avec politique de langue étrangère. Et alors, si nous avons sur valorisation de la langue dans la société, et nous avons dit premier côté, la langue n'est pas vraiment valorisée, c'est depuis une institution étatique. Et jusqu'à présent, lorsqu'on est au tribunal, peut-être moun yo peut-être pas comprendre rien en français mais ça pas empêché toute procédure toute plaidoirie toute faite en français toute faite en français. Et ou arrivé dans une institution côté que moun k'ap fréquente institution yo gen doit pas comprendre français. Mais le reste, c'est en français, il y a abordé. Examen l'État, c'est en français. Document l'État, c'est en français. Programme enseignement l'État, c'est en français. Et autorité l'État, majorité discours, il y a fait, c'est en français. Et langue, c'est un outil inclusion, tout comme c'est un outil exclusion. À chaque fois que vous utilisez la langue, vous parlez. La communication est un droit. 20 octobre 2001, groupe Média Alternatif.
Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, yon label de production audiovisuelle, c'est tout médiatique, yon ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif, communication, média et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale faite dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif, téléphone 28 16 0101, email gm@medialternatif.org, site internet www.medialternatif.org. Groupe Média Alternatif, parce que la communication est un droit. Numéro éco-social, je dis à parler des langues créoles haïtiennes. Même genre avec système la justice là, créole haïtien t'a doué l'Haïti dans toute branche activité dans pays d'Haïti. C'est pour ça, avec support Fonds National Éducation, tout étudiant et étudiant qui fait travail recherche, écrit mémoire pour jeune licence, maîtrise et doctorat dans langue créole haïtien, va capable jouer une bourade pour pipiti 500 000 goudes. C'est promesse ministère Éducation nationale. Ministère Éducation nationale fait songer, les distribuer plus passé 1 million sel grand livre dans créole haïtien pour classe première et deuxième l'année fondamentale. Ministère Éducation nationale dit le prévoit distribuer dans l'école l'État et privé plus passé 1 million yon sel grand livre créole haïtien pour classe troisième et quatrième l'année fondamentale. Justement, qui place l'an créole haïtien doit gagner dans apprentissage là, ni dans l'école yo, ni dans l'université et l'école supérieure yo. Et spécialiste dans la langue, linguiste Ben Siloui a fait quelques considérations. Avant de venir en Haïti, on a de manière globale. Enseignement, son bagage qui est presque inconcevable pour nous parler d'enseignement pour nous parler de langue maternelle. Et vous songez que la langue maternelle, c'est la première langue que nous avons parlé. Et le fait que ce premier langue que nous avons parlé, il y a un travail qui est fait de manière très subtile entre le cerveau de Timouna et la langue maternelle de Timouna. Ça veut dire que tout ça qui est marié avec l'esprit de Timouna en termes de créativité et de réflexion, il est passé d'abord par la langue maternelle. Alors, pour question enseignement et apprentissage, si nous voulons faire un petit coup de jet sur la théorie qui parle de qui traite des questions d'enseignement et d'apprentissage, nous avons en deux grands courants. Il y a un courant ou bien approche traditionnelle là, lui-même qui est influencé par le courant behaviorisme là. Et côté, nous parlons de approche informative et approche traditionnelle. Nous-mêmes, c'est une approche qui s'adresse aux enseignants. Côté que enseignant, c'est lui-même qui possède une connaissance et lui-même la partager avec apprenant. Et puisque c'est lui-même qui a une connaissance là, apprenant qui savent bien faire, bien pour écouter, pour entendre, pour apprendre. Et puis on vient jouer un deuxième grand courant, lui-même qui allait en petit genre à l'opposé de quoi traditionnel là. Et qui est basé sur l'approche informative. Là. Donc là, lui-même, ce courant, il y aurait le courant moderne, là, lui-même qui est reposé sur, ou bien disons, qui subit influence et courant cognitiviste. Lui-même, il est apprenant comme un monde qui a une propre expérience dans la vie, parce que, il a toujours dit, pigou l'école, c'est la vie. Il ne croit pas qu'il y a un petit monde qui vient de l'école. Ça a rien vraiment. Il y a quoi, il y a une propre expérience par, il y a ça l'apprend, dans l'entourage, dans le milieu, côté la évolué. Et il y a quoi, si mon ça, c'est pas seulement enseignant qui apprend ni un bagage, mais lui-même tout, à partir d'expérience par, il y a participé dans construire propre connaissance par lui, il y a participé dans construction savoir. Et après ça, il y a le poème centriste, avec dans le sens que tu es centré sur Timouna, centré sur apprenant, contre avec l'approche traditionnelle là, qui est centré sur mettre là, et le magistrat centriste. Et là, lui-même, l'approche moderne, qui est l'approche interactionniste, il y a quoi Timouna, il doit participer dans la construction de connaissances, dans l'interaction avec l'enseignant, ça veut dire l'enseignant, il faut poser la question tout, lui-même, la pose l'enseignant en question, sur ça le vivre, sur ça le observer, sur ça le connaître. Même j'ai tout,
li gen pou participe tout nan menm konstriksyon savoir sa, konesan sa avèk kamarad li yo nou apòch sosyo-konstruktivist. Lè sa, li vin yon co-konstrukteur de konesans li. Men, ki rol nan prosis solman apantisay sa a? Si nou konsidere apwosh ki tradisyonel la, ki magistro-santris, ki santris ou anseyan, anseyan oblije anseye nan yon lang ke l metrize bine, piske li pral anseye, yon anseyan de yon bon komunikater, li dwe kapale apwen nan yon, e pale a fok pale l palimite. Donk fol ka itilizon langaj, et qui vraiment approprié à chaque situation, faut qu'a illustré, parfois ce sont blagues pour tout pour le baïti mon routine bien comprendre l'illustration. Donc langue qui plus facile qui ca faciliter le faire ça, c'est langue maternelle là. Donc depuis on a une langue seconde, bien on a étranger, on gagne des limites. Et si mon là tout puisque langue qui vraiment marié avec ça quel que soit jeu de mots tourner enseigner utiliser ca comprendre plus bien, c'est langue maternelle là. Donc il y a avantage pour professeur et pour apprenant parce que professeur lui-même est à l'aise pour communiquer ça va passer même apprenant tout le plus réceptif parce que bien comprendre ça va bien. Alors là nous un courant qui traditionnel là qui ont ces gens et mis à l'écart parce que le courant lui-même lui manque fait apprenant reproduit parce que apprenant lui-même il est seulement réceptif mais il pas vraiment participé dans processus construction savoir là. Mm-hmm. Alors, les musulmans approchent, ils ont les approches modernes, qui sont approches interactionnistes, cognitivistes, qui s'adressent sur apprenant. Mais même la matinée, elle a pas l'avantage capital pour le tout, puisque faut qu'il y ait interaction là-dedans. Pour qu'il y ait interaction, faut qu'il y ait un code commun que tous les deux acteurs, et apprenants et enseignants, qui ont tous les deux bien maîtrisés, y a communiqué là-dedans sans limite. Il a communiqué la donne sans difficulté pour le partager entre eux. Et même après, il faut qu'il y ait des groupes de travail, qu'ils travaillent par deux, par groupe, pour réfléchir ensemble. Donc, pour faire ça, il faut qu'il y ait une langue commune. Il ne faut pas gagner des sociales. Pour partager connaissance et expérience, il faut qu'il y ait un code commun. C'est l'anglais, et l'anglais qui est la langue maternelle. Là. Automatiquement, c'est une langue pas bien maîtrisée, yo mette comme langue d'apprentissage là, là automatiquement il y a une limite. Côté que même si on a gagné une idée, a vraiment gagné capacité pour partager l'idée, même en ce en tout cas gagné une illustration, car bon j'en ai envie d'expliquer un bagage, mais langue là c'est une barrière pour lui. Alors laissez parler le maternel là. Donc tout ça montre nous qui importance capitale. Langue maternelle la gagne dans l'apprentissage. Alors, si nous avons fait référence à Yves Déjean, qui est un linguiste, dans le livre écrit qui est l'école tête en bas, dans le pays tête en bas, il pose la question sur qui ça semble dire qu'on lit pour un petit haïtien. Parce que pour Yves Déjean, qu'on lit veut dire comprendre. Et lui-même, il voit qu'on lit pour un pile. Qui haïtien, je l'ai dit, c'est l'eau par en lettre pour transformer la son. Ou est le, ou dit le, ou est là, ou dit là, ou est u, ou dit u, ou est e, ou dit e. Mais si on évalue la compréhension de haïtien, alors surtout dans le niveau classique, dans le niveau premier, deuxième, troisième, cycle secondaire, si on questionne la compréhension en tant qu'élève haïtien sous sa étudier, on est étonné, on est presque pas comprendre rien dans sa étudier. Eh bien, qui conséquence ça vient gagner, non pas étudier, non pas apprendre dans le loin, ça vient déboucher sur un phénomène qui est de parcurisation, ça nous est le bac parquet en créole. Élève là, étudier aujourd'hui, l'oublier demain. Et conséquence ça vient gagner, les vénérons, élève là, paresseux sur le plan intellectuel. Puisqu'il va toujours apprendre, il va toujours prendre sans comprendre, il va mettre dans le cerveau sans comprendre, il va enregistrer sans comprendre, ça ne vient pas réfléchir vraiment sur ça, apprendre, sur ça, étudier, ou venir jouer, apprendre ça, les prédisposer à seulement capter, à mémoriser, mais il ne va pas apprendre à réfléchir. Alors que les apprenants apprennent en langue qu'ils maîtrisent, qu'ils parlent,
ça lui-même lui vient capable de développer l'esprit critique, lui vient qu'à questionner ça la étudier depuis vous comprendre, vous pas analyser, vous pas questionner, mais depuis vous pas comprendre, c'est juste prendre par cœur, c'est juste mémoriser. Qui ça explique toujours bien parler en pile sous question langue créole haïtienne dans apprentissage dans l'école, université et l'école supérieure. Ben si lui a porté élément éclaircissement. Nous avons fait plusieurs considérations sur ça. Et premièrement, lui lié avec question conception non perception non de langue créole là. Et depuis la réforme Bena, il y a quelques temps présenter créole, il était proposé créole comme langue d'enseignement et langue enseignée dans l'éducation qui doit enseigner l'école, mais l'État doit servir tout comme langue servie pour faire enseignement. Mais quand il y a là, c'est même question sur vos gars, pour qui ça tout obstacle, qui ça devient une réforme Bernard, et l'État n'a jamais appliqué jusqu'à aujourd'hui. Bon, alors nous avons essayé ouais, plusieurs réalités. Et premièrement, nous avons une question qui, comment nous avons créole. Pas oublier jusqu'à présent, plus fort monde pas bien ou créole dans la société. Et Bernard a proposé la réforme ça. Et bizarrement, même parents, il y a des parents qui ne pas marché dans la logique. Là. Alors, pas ignorance, parce qu'ils ont dit qu'ils ont retiré le français dans la bouche de tout. Pour eux, même si elle fait l'école en français, puis tu pas parler français. Et nos sociétés a gagné une francophilie extrême qui développait. Même les gens qui parlent français, ce français le remettant de. Même les gens qui parlent français, le remettent de la rencontre de français à parler, même s'ils ne vont pas comprendre. Donc, alors, nous te quand même exagérer pour nous dire son francomanie, parce que francomanie est le plus fort que francophilie. Hein. Et donc, ça, depuis notre société a vu sentir, il n'y a pas de problème le fait que. Petit li yo ap forme nan lang ki yo pa pale puisque yo reme français et vin genye l'autre réalité tout et jusqu'à présent pi fort document nou yo en français document et matériel didactique yo document ouvrage scolaire yo pi fort en français et pour l'école ta fait en créole net. Et ça m'a donné un gros travail de traduction pour gagner documents et reprogrammer traduction programmée tout ça yo il gagne un coût et nous connaissons dans quel état nous gagne est-ce que c'est ça qui a priorité l'état alors ça c'est des questionnements et mais nous ça comme des paramètres qui a empêché vraiment nous arriver sur question et pour l'école d'affaires en langue. Mais cependant, nous avons dit qu'il y a quelques avancées qui fait quand même, parce que longtemps, dans pile l'école, l'élève n'a pas de cas par le créole du tout. Et l'élève n'a pas le créole, il était élevé en jeton, élevé en punition, parce que le créole là, c'était une langue qui était considérée comme une langue barbare. De vous parler créole, c'est où tu voulais dire carrément son monde qui va venir l'école. Ou son monde qui ne peut pas apprendre. Mais jusqu'à présent, tant de ça, il ne peut pas éliminer de manière systématique, et peut-être, il ne peut pas éliminer de manière systématique, tout, mais graduellement, nous observons, il y a un peu l'effort, et l'école, il y a tout, il y a l'école qui te qu'on exige enseigner tout coup, il faut qu'il fait en français, même si il y a un petit peu mieux, c'est que il y a parler, mais nous observons graduellement, en pile l'école, il n'y a pas de problème à ce que le professeur explique tout le monde en créole. Au moins, ça aide tout le monde. Mais quand nous avons souhaité arriver, c'est à gagner une école qui était totalement créolophone. Alors, ça me donne tout préciser. Pour le monde qui pensait faire l'école en créole, empêcher tout le monde de parler français, loin de là. Mesdames, Messieurs, dans l'occasion 21 février, qui c'est journée internationale langue maman, numéro éco-social jeudi a te chita sur langue maman dans le pays d'Haïti, qui c'est créole haïtien. Recherche à interview Pierre-Antoine Chérilet. Présentation Marie Farah Fortuné. Supervision Ronald Colbert. Réalisation Jude Stanley Roy. Production Groupe Média Alternatif, mois février 2024. Continuez suivre Alter Radio sur 106.1 FM, sur www.alterradio.org et toute l'autre plateforme internet. Écoute,
éco-social. Yon moun gade bel idée, des fois fait des bagages. Yon projet.